La cause congolaise est à ce point orpheline que le monde entier joue à l'indifférence et se tait dans toutes les langues. La question des Tutsis revendiquant la nationalité congolaise figure à l'origine de la tragédie congolaise illustrée par ces documents atroces. Et vous le savez, il en existe encore de pires. La question de la nationalité congolaise des Tutsis se trouve à la racine de l'occupation militaire du Congo, cause fondamentale ayant engendré des effets terrifiants et dévastateurs, c'est-à-dire la domination politique, l'assujettissement ethnique des Bantous congolais par les Tutsis, les vagues de viols et de mutilations génitales, le génocide toujours en cours et dont le bilan dépasse déjà les 10 millions de morts, le pillage systématique des richesses minières congolaises et les menaces avérées de balkanisation du Congo. 5 effets majeurs pour une cause majeure. Je suis bien conscient du risque que je prends en ce moment en disant cela, mais j'assume. La conférence du jour est censée, selon mon entendement, susciter des vagues de passion et soulever un flot d'émotions. Dans la foulée, elle pourrait même provoquer des réactions de critique et de désapprobation véhémentes, susceptibles de déboucher sur des insultes. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, sauf aux injures. Aux éventuels auteurs d'insultes à mon égard, de menaces, d'invectives ou d'intimidation, je tiens à déclarer que je leur répondrai par un silence méprisant. Le thème de mon exposé, assurément, ne manque pas d'intérêt parce qu'il est de nature à ne laisser personne indifférent. À ce stade, c'est le moins que je puisse dire. Je tiens néanmoins à vous affirmer une seule certitude, à savoir que je traiterai ce sujet du jour avec toute la rigueur professionnelle du journaliste que je fus et du spécialiste en communication politique que je suis désormais, mais aussi avec toute l'honnêteté intellectuelle dont je suis capable, dans les limites, bien entendu, de mes connaissances et de mon intégrité morale. Je peux donc comprendre que vous ayez accepté, en me faisant l'insigne honneur de daigner venir nous écouter, de distraire cette journée de samedi, généralement vouée au repos et au divertissement après une semaine de travail stressante et fatigante par ces temps de pandémie de COVID-19. C'est pourquoi je vous sais infiniment gré à chacune et à chacun d'entre vous. Ma gratitude toute particulière va également à Blaise et à Luc, ainsi qu'à toute son équipe de bénévoles dévoués qui l'entourent et qui ont rendu possible la rencontre de ce samedi 26 septembre 2020 à Bruxelles, ainsi que, n'est-ce pas, aux gestionnaires de ce lieu. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis belges, chères sœurs, chers frères africains et congolais, de toute évidence, et même si le commun des mortels, notamment au Congo, en Belgique et en France, victime d'un matraquage médiatique ininterrompu et d'un conditionnement mental criminel, ne s'en rend pas toujours compte, la locution Tutsi congolais procède notamment d'une aberration historique et d'une hérésie linguistique. C'est aussi une insulte, non seulement au bon sens et à la raison, mais également un outrage à notre intelligence, à nous les Bantous congolais, ainsi qu'une offense aux lois régissant la République démocratique du Congo. Voici pourquoi, voici comment. Premier argument, la chronologie historique. La création du Rwanda en tant qu'État est de loin antérieure à celle du Congo. Cet argument d'antériorité, le premier, est indiscutable et pourtant il est souvent passé sous silence. D'après les historiens, Guy Hanga Ier, premier roi, empereur ou Mwami du Rwanda, aurait régné à la fin du XIe siècle déjà, vers les années 1091. Et Guy Hanga Ier était un Mwami Hutu. Ce serait lui, Guy Hanga Ier, le véritable fondateur de la nation rwandaise qui va se structurer progressivement à partir d'une vingtaine d'entités claniques exclusivement Hutu, fonctionnant sur base d'un système patrilinéaire pour finalement donner naissance à une organisation étatique 300 ans plus tard. Le processus de création de l'État du Rwanda s'acheva entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe, sous les règnes de la dynastie de Trois Bami, de trois rois, tous exclusivement Tutsi, qui portèrent le nom de Ndahiro.
Il s'agit de Néron Ier, qui régna jusque vers l'an 1386. Vint ensuite son successeur, Néron Ndoba, qui mourut vers l'an 1410. Le dernier des trois s'appela Néron Samembe, qui laissa le trône royal vers l'an 1434. Date contre date, nom contre nom, événement contre événement. On suppose que c'est ce Néron Samembe qui fut l'avant-dernier des Bami Hutu à s'être assis sur le trône du Rwanda. Puis vint le règne de Nsoro Samukongo, censé être le tout dernier roi Hutu au Rwanda et qui mourut en 1458. Après lui, tous les autres rois furent des Tutsis que les Hutus, dans leur générosité et dans leur hospitalité, mais aussi dans leur naïveté, avaient commis l'erreur mortelle d'accueillir chez eux sans se douter que leurs hôtes allaient rapidement se retourner contre eux, confisquer le pouvoir politique, prendre le monopole de l'armée et instaurer une monarchie féodale d'une extrême cruauté à l'encontre de leurs bienfaiteurs Hutus. Le premier roi Tutsi fut à coup sûr le Mwami Tutsi dénommé Ruganzu Ier Bwimba. Il mourut en 1482. Pour les Hutus, ce fut le début d'une nuit crépusculaire qui dura 500 ans. De fait, la succession des rois Tutsi au Rwanda prit fin avec le dernier d'entre eux, près de 5 siècles plus tard, avec le Mwami Kigeri V, Ndaïndouwa, détrôné fin janvier 1961, exactement le 28 janvier 1861, avec l'abolition de la monarchie féodale et sa mort en exil aux États-Unis le 16 octobre 2016, à l'âge de 80 ans, il y a 4 ans. L'histoire nous rattrape. Que s'est-il donc passé pour que les Hutus se retrouvent gémissant sous le joug d'étrangers à qui ils avaient offert l'hospitalité? Cette question posée aux Hutus se posera bientôt pour les Congolais. Elle se pose déjà pour les Congolais. Approximativement un siècle après l'érection du Rwanda en État, c'est-à-dire au 15e siècle, des hordes de pasteurs nomades nilotiques descendus depuis le haut plateau d'Abyssinie et d'Éthiopie, poussant leurs troupeaux de vaches devant eux, se présentent aux portes des pays des Grands Lacs, en franchir les frontières et foulèrent le sol de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi. Ce sont les ancêtres des Tutsis d'aujourd'hui. À la recherche de verts pâturages pour leurs troupeaux de vaches, vous savez, ces vaches de race ténue, aux cornes recourbées en demi-lune, ces étrangers marchaient derrière des bêtes jusqu'alors inconnues par les Bami et les populations autochtones Hutus, qui les regardaient avec envie, avec effroi et avec admiration. De leur côté, les nouveaux arrivants furent frappés par le sol fertile des nouveaux territoires où leurs vaches les avaient conduits. L'herbe qui y poussait pendant toute l'année était verte, tendre et abondante, enrichie qu'elle était, n'est-ce pas, par la cendre crachée par les volcans Nyiragongo et Nyamulagira, toujours en éruption jusqu'à nos jours. L'idéal donc pour leurs troupeaux de bovidés. De peuples pratiquant le nomadisme et la transhumance, les Tutsis décidèrent alors de ne plus chercher ailleurs et de se fixer en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et de s'y sédentariser. Pour les Hutus et le roi qui leur avait offert l'hospitalité, commencèrent alors plus de 4 siècles d'horreur. Un demi-siècle à peine après avoir accueilli en frères les pasteurs nomades Tutsis, les Hutus et leur roi se retrouvèrent simplement réduits à l'état de serfs et de vassaux par leurs hôtes. Devant la générosité naïve et l'ignorance des rois Hutus, les Tutsis conçurent en effet le funeste dessein de les assujettir en s'assurant le contrôle de l'armée, en s'emparant du pouvoir politique ainsi que des terres. Moins d'un demi-siècle après leur arrivée au Rwanda, ils avaient atteint leur objectif. À partir de la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, les Tutsis, devenus les suzerains des Hutus, formant la classe dominante d'une monarchie féodale aux méthodes cruelles, ayant vassalisé ceux qui leur avaient offert des pâturages pour leurs troupeaux de vaches, se mirent à se comporter en tyrans sanguinaires et en satrapes impitoyables. De la moitié du XVe siècle jusqu'à la proclamation de la République du Rwanda et l'abolition de la monarchie le 28 janvier 1961, les Tutsis, bien que minoritaires, et leur roi imposèrent sur les Hutus un régime féodal basé sur la ségrégation et le terrorisme ethnique. Pour assurer la pérennité de la monarchie féodale mise en place par le roi, ils recoururent à des massacres de masse, à des meurtres ciblés et à des empoisonnements. Tiens, tiens, on se croirait au Congo, déjà.
Leurs méthodes sont désormais en effet connues. Dès leur arrivée au Rwanda, en vue de s'emparer du pouvoir et d'imposer leur jute ethnique sur les Hutus, les pasteurs nomades descendus d'Abyssinie entreprirent avec ruse, tout en douceur, des manœuvres d'infiltration des institutions traditionnelles Hutus et de leurs dirigeants. Pour y parvenir, ils ne reculèrent devant aucune abjection. Ils eurent en outre recours à leurs filles, qui devinrent tantôt des épouses, tantôt des maîtresses dociles, obéissantes et soumises des dirigeants Hutus. J'en parle d'expérience. Ayant travaillé pendant 35 ans sous Mobutu, 32 ans, tous les dirigeants à l'époque, les ministres, les ambassadeurs, les PDG, les gouverneurs de province, ceux que j'ai connus avaient tous, sans exception, des maîtresses tutsis. À dire vrai, l'agent féminine tutsi opéra à l'époque, comme de nos jours d'ailleurs, en qualité d'officier de renseignement pour la défense de la cause de leur ethnie. Dans chaque tutsi, depuis le berceau, quel que soit son âge, son sexe, son état civil, y compris dans le cas de mariage avec d'autres races, quelle que soit sa profession et le lieu de sa naissance, dans chaque Tutsi sommeille un activiste ethnique prêt à tout pour défendre les intérêts de sa communauté. Même Wikipédia a été infiltrée par les Tutsis. On peut y lire notamment, sur le thème du génocide rwandais d'avril 1994, des textes vraiment amusants à force d'être grossiers et grotesques, manifestement inspirés et écrits, postés par des zélateurs tutsi. De son côté, Microsoft n'a pas été épargné. La société de Bill Gates a en effet édité une encyclopédie dénommée Encarta. Allez voir sur Google, pièce par pièce, preuve contre preuve. Allez voir sur Google, tapez Encarta. Vous y lirez des choses à vous faire hurler, tellement que c'est lamentable, tellement que c'est farci de mensonges et honteux, de falsifications provocantes et de grossières manipulations. On y lit notamment que 48% de la population congolaise est d'origine tutsi. 48%. Et c'est passé. Disposant d'une expérience séculaire en matière d'infiltration, affichant dans ce domaine une capacité, une audace à toute épreuve, les agents tutsis sont à l'œuvre de nos jours et opèrent dans la plupart des institutions nationales des pays occidentaux, ainsi que dans toutes les organisations internationales, y compris ici en Belgique. Ils sévissent incognito dans les services sociaux, dans les hôtels, dans les médias, les cabinets de certaines professions libérales et dans les ONG. Ils sont aussi présents ici en Belgique, notamment au musée de Tervuren. Nous sommes partis. Blaise est parti à Tervuren. Malheureusement, il n'a pas pu afficher la carte. Alors, c'est l'une des preuves majeures. Il existe une carte ethnographique de l'État indépendant du Congo, dont je parlerai tout à l'heure, datant de 1900, il y a 120 ans. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez afficher la carte de 1900 de l'État indépendant du Congo? Sur cette carte ne figure pas le nom d'un seul Mwami Tutsi, pas un seul. Cette carte date de 1900, pas celle-là. Celle-là, c'est une fausse carte. Et vous allez voir que les deux cartes se ressemblent. Celle qui est affichée, c'est la bonne carte, qui date de 1900. Aucun nom de Mwami Tutsi figure. La mauvaise carte... Oui, mais ça ne fait rien. Ils vont voir tout à l'heure. La mauvaise carte, c'est celle que tient Blaise. Et vous avez vu la ressemblance entre les deux. Cette carte que tient Blaise date de 2005. L'autre qui est affiché à l'écran date de 1900, donc il y a 120 ans. Celle de Blaise contient des noms tout dessus, alors que la celle de 1900 n'y contient pas. Encore une preuve de leur mensonge et de leur bouingué. C'est ainsi que le Rwanda, parmi un autre mensonge, n'est-ce pas, devenu anglophone sous le régime de Paul Kagame, a tout de même réussi à placer une tutsi rwandaise à la personne de Madame Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie. Et cela n'a étonné personne. Comment une tutsi peut devenir la patronne d'une organisation francophone? Mais l'exploit le plus incroyable enregistré par les tutsis est celui d'avoir réussi à tromper l'État d'Israël et les Juifs. Nous ne dormons pas, nous cherchons. C'est l'exploit le plus incroyable réussi par les Tutsis. Ils ont trompé même l'État d'Israël, même les Juifs. Depuis octobre 1999,
1999 pour la Belgique. Les Tutsis se nomment en effet communauté hébraïque Tutsi. Allez vérifier. Après s'être fait passer pour les descendants de la reine de Saba, les Tutsis, depuis 21 ans, sont adoptés par les Juifs du monde entier, auxquels ils sont liés par une alliance appelée Pacte de Avila. Ce pacte de Avila a été signé ici à Bruxelles, dans un des hôtels Mercure, en octobre 1999. Et le pacte de Avila contient notamment 7 centres ou instituts de recherche dans diverses disciplines humaines et scientifiques. Il s'agit en vérité d'une vaste imposture et d'une escroquerie monumentale. Les Tutsis ont ainsi réussi. Vous avez déjà 26 minutes, juste pour vous. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis absolument désolé, je n'ai encore développé qu'un seul argument, il y en a 9. Non, je vous donne 10 minutes. Non, dans ces conditions, je ne veux pas continuer. Parce que j'ai passé deux semaines à faire ce travail et on me donne 20 minutes. Je suis parti de 1091. Attendez. Je suis parti de 1091 et je vais terminer en 1997. On y va alors, on y va. Et donc, comment voulez-vous que je puisse résumer 800 ans en 25 minutes? Monsieur, je suis un communicant. C'est impossible. Bien. On regardera voilà. Un moment, sinon les autres orateurs n'auront plus de 10 minutes à parler. On y va. Merci. À dire vrai, les Tutsis sont exactement le contraire de ce qu'ils prétendent être vis-à-vis de nos amis juifs et israéliens. En effet, leurs ancêtres prirent part à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, exactement en l'an 70, au siège et au pillage de Jérusalem, ainsi qu'à la destruction du deuxième temple de Salomon dans la ville sainte. Les Tutsis avaient été enrôlés dans les légions romaines sous le commandement du général romain Titus Flavinus. C'est lui l'auteur du siège et du saccage de Jérusalem. Au passage, ils ont profané le Saint des Saints du Temple. Avant de devenir empereur et de connaître un règne très bref à Rome, de l'an 79 à l'an 81 après Jésus-Christ, Titus Flavinus, futur bourreau des Juifs, s'était d'abord rendu en Abyssinie, en Afrique, pour y procéder au recrutement de mercenaires noirs. Après une période d'entraînement, ces supplétifs africains allèrent ensuite rejoindre et gonfler les légions romaines sous son commandement. À ce titre, les mercenaires abyssiniens, dont descendent les Tutsis d'aujourd'hui, participèrent activement, forcément, à la mise à sac de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, ainsi qu'au pillage du second temple de Salomon et à la profanation du Saint des Saints. Mais grâce au prodige de leur stratégie de mensonge, ils appellent ça désormais, n'est-ce pas, Ubuengé, ils se font passer pour des descendants de la reine de Saba et s'appellent désormais communauté hébraïque Tutsi. Quels sont les éléments de preuve attestant de la parenté de sang et de la filiation historique entre d'un côté les Tutsis d'aujourd'hui et de l'autre les mercenaires noirs recrutés en Abyssinie, enrôlés dans l'armée romaine par Titus Flavinus, envoyés ensuite à Jérusalem réduire à l'état de ruine la ville sainte? Il existe à ce sujet des artefacts et des preuves matérielles. La démonstration de l'existence de ces liens a été administrée à travers les stupéfiants résultats de patientes recherches menées par le pasteur congolais Thomas Vanda, qui réside actuellement à Toronto, au Canada. J'ai son numéro de fax, n'est-ce pas? Le document qu'il m'a remis, je l'ai remis à un ami qui a oublié de l'amener ici. Mais j'ai le numéro de WhatsApp, vous pourrez l'appeler si vous voulez. Maintenant, il est 14h, dont moins 6, donc il doit être à peu près 8h du côté de... Merci d'avoir appelé l'heure. Oui, mais je n'ai pas terminé. Je n'ai fait... Écoutez, est-ce que je continue ou je m'arrête? Continuez. Vous avez encore un quart d'heure à tout casser. Je ne peux pas, dans ces conditions, je m'arrête. C'est-à-dire, je n'ai développé qu'un seul argument. Mais c'est que l'État à l'université, vous devez résumer votre discours. C'est l'esprit. On propose ceci. Monsieur Pébé, on va laisser les autres orateurs parler, comme ça on vous laisse le soin de finir les 8 heures. Non, attendez. Nous sommes venus ici pour parler, pour connaître la vérité. OK? J'ai des éléments de preuve, parce que la question de la nationalité de tous ces Congolais se trouve à la base de la tragédie.
Mais il est écoutez, il est impossible de résumer. Il est impossible de résumer 800 ans en 25 minutes. Non, mais la salle est louée pour un certain nombre de temps. Monsieur Kouébé, c'est ça le problème. Alors, dans ces conditions, je m'arrête ici. Non, résumez simplement. Prenez l'argument sur la nationalité et on va passer aux autres acteurs. Ici, c'est 3 heures et ça suffit. Bien. Allez, c'est la conclusion. Allez-y, monsieur Kouébé. Comment ça, allez-y à la conclusion? Monsieur Kouébé, résumez-vous seulement, c'est ça le problème. Parce qu'ici, on a 3 heures, par exemple. Non, ça va, laissez. On y va. 30 minutes. Monsieur Kouébé, continuez. Donc, monsieur Kouébé, à l'heure, s'il vous plaît, attendez, à la mort. Monsieur Kouébé, vous avez encore 5 minutes pour dire quelque chose. Si je n'ai que 5 minutes, je ne parle plus. C'est impossible. Alors, si je n'ai que 5 minutes, je m'en vais, je sors. Non, vous allez. Mais évidemment, c'est impossible. Matériellement, c'est impossible. Monsieur Kouébé. Vous pouvez reprendre votre place. On va vous redonner la parole. Je ne reprendrai plus la parole. On va s'arranger. Non. C'est impossible que je reprenne la parole. Donc, je m'arrête. Je ne parle plus. D'accord. On va reprendre. Non, je ne reparlerai plus. Ça va. OK. Ben oui. Il reste 8 arguments que je ne peux pas développer. Monsieur Yann, je vais vous demander de prendre la parole. Parce que résumé, oui, sans fin.